Bonsoir à mes abonnés, je vous remercie pour votre soutien. Bienvenue sur Sirène Caméra Officielle, à ceux qui me visitent pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer. À la une aujourd'hui, une star de cinéma d'origine camerounaise, j'ai nommé Monsieur Éric Ebouané. Éric Ebouané est un acteur français d'origine camerounaise, né le 3 octobre 1967 à Angers, en Maine-et-Loire. Il est surtout connu pour son interprétation du premier ministre congolais, Patrice Lumumba, dans le film Lumumba en 2000, de Black T dans Femme fatale de Brian De Palma, de Ice dans le film d'action Transporteur 3, en 2008, dans lequel il joue aux côtés de Jason Statham. Éric Ebouané commence par étudier le commerce international, puis se tourne vers le théâtre pour épater ses amis. Cela lui permet de trouver son premier petit rôle dans Chacun cherche son chat de Cédric Clapiche. Il enchaîne d'autres films, mais ce n'est que dans Les Enfants du Marais de Jean Becker qu'il peut entièrement exprimer son jeu de comédien, interprétant Banania, le tirailleur qui a survécu à la Grande Guerre, tant craint par Riton, joué par Jacques Villeret. Un an plus tard, il interprète le rôle principal du film Lumumba, retraçant la vie du dirigeant politique de la République démocratique du Congo et son combat pour amener son pays à l'indépendance, assassiné après seulement 2 mois de gouvernance. Depuis, il a tourné dans de grosses productions internationales, dont Femme fatale de Brian De Palma et Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Cependant, il privilégie surtout le cinéma d'auteur et les jeunes réalisateurs. Il alterne ensuite les seconds rôles dans des genres cinématographiques variés en France et à l'étranger, alternant films musclés comme Les Rivières pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse, Hitman ou Le Transporteur 3, ou des productions qui font place à des interprétations plus intenses telles que La Nativité en 2006, La Piste toujours en 2006, Africa Paradis en 2007 et 35 Grams en 2009. Même si les films dans lesquels il s'illustre sont assez divers, la thématique des problèmes inhérents au tiers-monde est une constante propre à sa filmographie. Parallèlement à sa carrière cinématographique, il s'illustre également sur les planches et le petit écran. On l'a vu dans Julie Lescaut et autres. Éric Ebouané enchaîne les rôles avec une cadence impressionnante. En 2010, par exemple, il est à l'affiche des drames Disgrâce, Le temps de la kermesse est terminé, Ligne de front de la comédie Thelma, Louise et Chantal, du film d'horreur La Horde, du biopic Carlos et du film d'aventure 600 kilos d'or pur. Il a collaboré avec des comédiens et des metteurs en scène de renommée, parmi lesquels Gérard Depardieu, Jean Reno, Antonio Banderas, Ridley Scott, Brian De Palma, Yvan Attal, Raoul Peck, Cédric Clapiche, Éric Vallée et bien d'autres. J'ai été ravie et très fière de vous présenter cette bio donc de l'acteur d'origine camerounaise, donc français, Éric Ebouané. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à la gloire de nos étoiles.